Je m'appelle Dylan, je suis d'origine turque et kurde et j'habite à Bruxelles. J'ai appris la musique toute petite. En fait, je faisais partie d'une chorale d'enfants et j'aimais beaucoup. Puis après, je suis devenue musicienne dans cette chorale en tant que guitariste et pianiste. Et après, j'ai arrêté parce que ça ne me parlait plus trop. Et j'ai commencé à faire des concerts toute seule. Au début, c'était un répertoire assez de la musique française, aussi de la musique balkane. Puis j'ai arrêté de chanter en français parce que ça me parlait moins. Et donc, je me suis dit en fait que c'était surtout la musique du monde qui me parlait, la musique turque, la musique balkane, enfin tout ce côté oriental. Ouais, je pense que j'ai pris ça de mon père parce que mon père est musicien chanteur turc. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai un groupe. Qui s'appelle Turkish Kebab. Pendant le Covid, j'avais envie de créer un groupe et j'avais déjà le nom en tête. Pourquoi Turkish Kebab? Parce qu'en fait, Turkish, parce que j'avais envie que les gens sachent que ben, c'est de la musique turque, donc on se pose pas la question. Et kebab, c'est le côté fun, parce que dans la musique qu'on fait, ben, il y a de l'amusement. C'est un côté un peu « Hey, viens, on s'amuse !» Et pour moi, le kebab, c'est aussi un côté un peu rigolo, quoi, humoristique. Voilà. Septembre 2022, j'ai été chercher des musiciens qui voulaient bien m'accompagner dans ce projet. Vous êtes chaud, hein ? Et on s'est regroupés, on a commencé à répéter mes compositions et aussi des reprises des années 70 turques. Puis petit à petit, on s'est produit dans plusieurs endroits. On a reçu le prix du talent émergent de la Belgian Worldwide Music Network. Et en fait, ce prix-là, ça nous a ouvert beaucoup de choses. Beaucoup de gens nous ont contactés pour pouvoir nous booker dans des lieux, dans des festivals.
Enfin, on a joué au Botanique ou à la baie, enfin plein d'autres lieux et tout chouette. Et en fait, le 23 juin l'année dernière, c'était notre premier concert. Donc là, ça fait un an qu'on joue et c'est trop chouette. Dans le projet, en fait, je viens avec mes propres compos. Vu que c'est de la musique turque, moi j'ai envie de rester dans cet univers-là, donc je viens et je présente le morceau et on travaille sur ça. Et pareil pour les reprises, en fait les musiciens ne connaissaient pas au début la musique turque, donc ils ont appris à force de me côtoyer et de répéter. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça en fait. Je leur faisais écouter et on jouait. La plupart de mes chansons, ça parle un peu d'histoire d'amour, mais un peu humoristique, puisque j'aime beaucoup ça, ce côté un peu décalé. Mais après, ça parle aussi de l'exil, ça parle de moi qui a traversé certaines choses dans la vie, mais que ça ne m'a pas empêché d'y croire et d'avancer et de continuer. Enfin, des messages sincères avec beaucoup d'espoir, quoi. En fait, la plupart des gens pensent qu'on vient et on joue, mais derrière tout ça, il y a la communication, les appels. Et en fait, dans ce projet-là, je gère un peu tout. Enfin, les demandes de concerts, donc ça, il faut aussi demander aux musiciens s'ils sont tous dispo, bloquer des dates pour faire des répétitions, ou peut-être enregistrer un morceau. Enfin, en fait, ça demande vraiment beaucoup. Et des fois, j'aimerais en fait juste être tranquille et peut-être laisser la place à quelqu'un qui pourrait bien faire ça, mais on apprend en fait, j'apprends beaucoup et je suis assez contente, même si c'est pas facile, on y va quoi, parce que ben j'y crois et oui, la musique ça me fait vivre et c'est pour ça que je le fais.